Bonjour à toutes et à tous, l'ami Sega de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve dans la vidéo du jour, les gars, tout simplement pour essayer de monter un petit peu en trophée. Je monte, je descends, j'arrive pas vraiment à me stabiliser. Mon deck, il est un petit peu tout feu, tout flamme, quoi. C'est un coup oui, un coup non, c'est un peu bizarre. Je sais qu'il vous plaît beaucoup, les gars, donc je vais essayer de continuer avec celui-là encore un peu. Après, on changera. Je vais pas faire toute la saison avec celui-là, les gars. Je vous rassure, mais 4837 trophées, on est parti, j'espère qu'on va avoir la chance. N'hésitez pas à bombarder les petits pouces bleus qui font plaisir. Alors, on tombe sur Jésus. Jésus, 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 qu'est-ce qu'on va lui faire? Alors, on va cycler le petit gang qui va bien et on va essayer de poser notre pompe. C'est à peu près ce qui nous intéresse au début de game. Alors, on va la mettre à droite. Je pense que ça peut être pas mal. Chevalier, ça peut valoir dire quoi? Qu'est-ce qu'il peut jouer avec le chevalier? Alors, phase d'observation, il a un bélier. Ouh là 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 là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, il va me péter la tour d'entrée. Alors, j'espère qu'il n'a pas la tornade, mais là, normalement, la tour, elle est morte. Oh, le mec, il envoie un push d'entrée, mais qu'est-ce que c'est que c'est fatigué? Il a la BDF, ok, tout va bien. Alors, on va tenter ça comme ça. Est-ce que nous, on peut mettre des dégâts? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de mettre des dégâts ou pas? La réponse est, on va en mettre quelques-uns. Il a le mini PK, ok. Là, le gang, normalement, il a cramé sa bûche, donc on n'est pas trop mal. Si on peut gratter un peu la tour, encore un peu. Je valide à 100%, on met nos dégâts, on va remettre une pompe. Vous connaissez le délire du deck, c'est vraiment les extracteurs. Lui, il a l'air de s'envoyer un petit peu en l'air en espérant qu'il s'envoie pas trop là. Parce que j'ai plus grand chose pour défendre. Ok, on va mettre la horde, histoire de pas trop se faire gratter. Alors, il a la BDF, il a la bûche. Qu'est-ce qu'on va lui... Putain, il a le baby drag aussi qui fait des dégâts de zone. Alors, on va mettre un golem comme ça. Ou est-ce qu'on mettrait pas plutôt un bélier de combat? On va plutôt la jouer safe. On va pas mettre tout l'élixir. Alors, pour l'instant, ça va. De toute façon, je me doutais bien qu'il allait mettre son bourreau et qu'il allait nous péter le push qu'on allait mettre à droite. Donc là, le golem, il est un petit peu trop profond d'après moi. Alors, on va essayer de mettre un gang derrière le bourreau. Dès que le bourreau, il aura focus la tour maintenant. Ok, donc là, on va se prendre des dégâts. Mais c'était prévu. Ah, le bourreau, faut que tu tombes, frérot. Faut que tu tombes. Alors, il a la BDF. Donc là, on peut tenter de mettre les trois moumous. On va essayer de mettre un bélier de combat côté gauche. Avec éventuellement les chauves-souris. Ok, donc là, ça se passe comme prévu. Il va BDF un des deux côtés. Mais normalement, on va lui mettre des petits dégâts à droite et à gauche. Alors, on va partir en golem côté gauche. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal dans la game, là, pour l'instant. Il a fait le malin d'entrée, mais faut pas trop faire le malin. Ne fais pas trop le malin, frérot, parce que nous, on va te rooster. Alors, attention à son bourreau côté droit. On lui a mis la tour du roi à 737 PV. Là, quand même, faut faire gaffe. C'est nous qui allons pleurer dans pas longtemps. Alors, les moumous comme ça, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va mettre les chauves-souris sur le bélier de combat. On peut tenter une horde corner. Normalement, ça peut passer. Ouais, le bélier de combat, il passe et ça va gagner. Tout simplement parce qu'on n'a plus qu'à mettre un zap. Ok. Game un petit peu bizarre. J'ai eu l'impression qu'on allait se faire défoncer d'entrée. Mais au final, on a tenu. C'est vrai que nous, on joue souvent sur la durée avec les pompes. Vous connaissez un petit peu le deck. Hein. C'est un deck golem parmi tant d'autres. Mais en gros, le fonctionnement, ça reste toujours le même. Donc, on a 4864 trophées. On va relancer direct, on libère pas de slot, tant pis, j'ai plus beaucoup de gemmes. Faudra qu'on en remette. Alors, on tombe sur Yurgi, on va essayer de lui faire la même chose, mais j'ai pas de pompe à l'horizon, là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va splitter le gang de cette façon. On va faire la même chose avec les chauves-souris. Alors, il fait pareil que moi. Alors, j'aime bien avoir un bélier de combat pour le cycler en général en début de game. Là, est-ce qu'on temporiserait pas un petit peu, les gars, de voir un peu ce qu'il a? Parce que lui, il a dévoilé que son gang de gobelins. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'observation la plus totale. Là, c'est pas le deck qu'il peut avoir. Ok. Il dévoile un petit cochon, donc on va splitter les mousquetaires. On n'a pas grand-chose. J'aurais aussi pu mettre la horde, mais bon, c'est un combo qui est pas mal. Là, ce qui est pas mal en général, c'est de mettre un bélier de combat sur la mousquetaire qui est seule, vous le savez. Mais là, ben, tout simplement, on n'a pas le bélier de combat et on n'a pas l'élixir. Donc on s'enflamme. Ouh là 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 là, il met un gros PK côté gauche. Alors pourvu qu'il flèche pas là, parce que sinon on est dans la mémerde. On est dans la mémerde, il flèche pas, donc c'est plutôt cool. Là je pense que mettre un extracteur, ça peut être une bonne solution. Derrière la tour qui a le plus de PV les gars, vous connaissez un petit peu le délire. Oh, il a le sorcier les gars, ce qui me fait un combo PK sorcier.
Là, on est mal. Là, vraiment, on est mal parce que je vois pas comment je vais pouvoir défendre le PK. Alors, on va mettre ça comme ça. On va zapper, qu'ils nous mettent pas trop de dégâts. Ok, bon, ça va. On s'est fait un petit peu peur, comme à chaque fois. C'est vrai que le début de saison, vous tombez un petit peu sur tout, hein. Il y a du gros niveau, du gros noob. Et du coup, souvent, les games, elles sont un petit peu space. Donc, on se fait quelques frayeurs, mais bon. Alors, le gang de... Putain, bien joué, le poison. Bien joué, le poison, du coup. On remet une pompe à droite, et après, on partira en golem. Alors, il a quoi comme sort? Il a le poison... Ah ouais, merde, il décide d'agresser côté... putain, avec le mortier. Alors, si ça tape à droite, ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas. La tour, elle a tous ses PV. On va pas forcément se jeter sur la défense. Je m'en fous qu'il égalise en termes de PV à droite, qu'elle ait 1500 PV, c'est pas très grave. L'essentiel, ça va être de splitter le gang de cette façon et de partir avec un bélier de combat côté droit. Est-ce qu'on va réussir à avoir assez d'élixir ou pas? La réponse est oui. Les petites chauves-souris qui font plaisir à droite, on a le temps de les mettre. Est-ce que je peux zapper? Ah, ok, on s'est fait plaisir. À droite, magnifique, à gauche, on a pété le PK, je valide. On repose un extracteur tout simplement parce que comme ça, s'il pose son poison, il est mort, et s'il pose pas, il est mort aussi. Oh, il avait des mousques, putain, je savais pas du tout ça. Il avait les trois moumous, ok, donc alors là, c'est... je suis heureux de l'apprendre. On va mettre un gang pour défendre tout ça. À droite, on va mettre les petites chauves-souris qui font plaisir. Et tout simplement, les gars, je pense qu'on a mieux joué. On a su l'agresser au bon moment. Et du coup, je suis assez content. Là, on a deux matchs, deux victoires pour l'instant. Plutôt pas mal. Et on va lui mettre un petit perfect des familles. Avec le petit bélier de combat qui met le petit coup sur la tour à la fin. Ça fait toujours plaisir, les gars. On va se faire une dernière attaque, les gars. On va faire une vidéo de 100 ans, mais quand même, le but de taper les 4009, c'est quand même intéressant. Au passage, vous voyez que 588 000 or. On est carrément pas mal, on peut potentiellement monter presque 6 cartes au niveau max. Ça fait quand même plaisir, ça fait quand même plaisir les gars. Vous savez ce que ça représente pour moi de monter une carte max, hein. Je suis assez content en général. Alors on a libéré un emplacement, on a eu des méga boules de neige et de la cabane de barbare. Ok, pourquoi pas, allez les gars, il faut rester sur 3 victoires, ce serait pas mal, 4850. Jusque là les mecs ont été assez gentils avec nos pompes, pourvu que ça dure, même si... sur la deuxième partie, on a eu du mal à la placer, on l'a eu quasiment en dernière carte. Là, on va toujours pas l'avoir, donc on va tenter le bélier de combat. Alors, le frérot, qu'est-ce qu'il fait? Il défend pas, ok. Il met son mortier un petit peu tard, donc là, c'est... Ah, bien joué. Alors, les gobes, ils grattent le mortier, parfait, ça me va. Les gars, sans déconner, ça me va. On va splitter les trois mousquetaires, j'ai pas du tout envie qu'il me gratte trop. On va pas lui laisser trop de place pour l'instant. Si on peut rester comme ça, on a un avantage à droite. En général, c'est pas forcément les parties que vous êtes sûr de gagner, mais vaut mieux commencer la partie comme ça que le contraire. Et ce qui est cool, c'est qu'on est en train de lui péter la cabane de barbare. Ce qui est un petit peu relou, c'est qu'on la sort jamais, l'extracteur, là. À quel moment il me le file? Alors, est-ce qu'on tente de le placer à gauche ou au milieu, les gars? J'avoue que je me pose la question. Est-ce qu'il a la roquette dans ce deck-là? Est-ce que vous pensez qu'il a la roquette? Je suis pas sûr qu'il ait la roquette, moi. On va tenter un mini coup de poker. Alors, en espérant que ça roquette pas d'entrée, il décide d'agresser... Ouais. On va mettre le bélier pour le focus et la horde pour le géant. Alors, s'il flèche pas, c'est cool. S'il flèche, c'est le jeu aussi. Il met un poison. Oh, ça, c'est cool. Ce qui est cool, les gars, c'est quoi? C'est qu'il a pas pris la pompe avec le poison. Donc, ça me va. Clairement, il a mal joué le poison. Donc, bah écoute, c'est parfait, mon pote. Je te fais des grosses bises. Je te kiffe. Continue comme ça. Tu me régales. On va tenter un golem fond de map. Là, pour l'instant, on est en train de lui poser pas mal de difficultés. On va essayer de continuer comme ça. Alors là, le délire, ça serait normalement de splitter les trois mousquetaires et d'appuyer celle qui est seule avec le bélier de combat. Vous connaissez. Sauf que là, on n'est pas en double élixir. Du coup, on est un petit peu dans la mémère, dans l'élixir. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire? On va mettre les chauves-souris comme ça. On va mettre le bélier à gauche. Est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il passe ce bélier? Est-ce qu'il passe ce bélier, les frérots? On va mettre un petit zap sur la fournaise, la cabane de barbare. On est bien. Oh, qu'on est bien. Et là, je pense que le mieux, c'est de partir avec la horde corner. Malheureusement, elle est un petit peu mal mise. Mais là, on est carrément... Là, on est stratosphérique. On est stratosphérique, les gars, aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on a. On est chaud. C'est des parties où il faudrait faire des lives d'une heure et monter à 7000 trophées en live. Non, je déconne, bien sûr, les gars. Mais voilà, quand on est chaud, ça fait tout simplement plaisir. On va continuer à appuyer là où ça fait mal. Hein. Autant en profiter un petit peu. Et voilà, il reste 20 secondes. Et on va perfecter ou pas.
on va mettre un petit zap qui sert pas à grand chose, mais j'ai envie de vous dire, voilà. Alors putain, on leur a fait mal. Hein. Oh les gars, on était chaud dans cette vidéo, mon dieu. En tout cas, on va passer les 4009. Alors, on va passer la ligue 4916. Bon, on rattrape un petit peu le dérush, c'est plutôt pas mal. Au passage, on aura fait 3 couronnes d'affilée. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Au final, on va peut-être quand même garder le deck. Hein. À chaque fois que je veux changer de deck, on fait des bonnes performances, les potes. Donc voilà, voilà, je pense que je vais garder le deck. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo détente, une vidéo fun. Ça fait toujours plaisir quand je dis que ce deck est violent, les gars. C'est pas des conneries, c'est vraiment... Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, 2-3 couronnes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vais pas vous faire l'injure de vous expliquer comment ça se joue. Je pense que vous l'aurez compris à travers mes vidéos. Grosse bise à tous. Ciao, ciao.